Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui des écouteurs. Alors là, je parle avec comme un habitude, ça pourra te faire un petit aperçu de ce que ça donne en capture sonore et du son et ce que ça donnera en communication. Voilà, allez, on revient avec l'appareil photo principal. Allez, voilà, donc on revient avec la caméra principale. Alors c'est Xiaodu. Xiaodu, aucune ressemblance avec Xiaomi. Donc voilà, je me suis demandé si c'était une filiale, voilà, comme il y a beaucoup de marques qui travaillent là-dessous, et je sais pas. J'ai pas ma réponse à la question. Donc en fait, c'est un vendeur AliExpress que j'ai demandé le partenariat, qui m'a proposé, ça sonne quelque part, bon c'est pas grave, qui m'a proposé de m'envoyer ça. Alors, je suis un peu plus regardant, moi les gens, mais un peu plus regardant, sinon on prendrait tout n'importe quoi. On prend des fois un peu n'importe quoi aussi, je suis d'accord. Mais voilà, là je me suis dit, bon, c'est les écouteurs. Alors voilà, ces écouteurs Xiaodu, 28 euros. Je me suis dit, bon, c'est pas la folie, 28 euros. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Et j'ai vu, ah, il y a une application. Donc j'essaie de prendre des écouteurs avec des petits trucs en plus. Voilà, ou une application, ou des modes ANC, ou un mode jeu, quelque chose que je pourrais bien vous faire un retour dessus, quoi. Tout simplement. Du coup, allez, petite description. Donc... déjà, les packages, qu'est-ce qu'ils donnaient avec? Attends, c'est pas là, est-ce ici, là, tac. Donc, on a quoi? On a couleur blanc, à 28 euros, donc c'est TVA incluse, hein. Maintenant, sur, c'était tellement compliqué qu'ils ont mis la TVA directement dans les prix. Bon, après, les prix sont à peine augmentés, ça n'a pas trop changé par rapport à avant. Alors, entre 29 euros avec des petits, alors c'est des trucs pour tenir les écouteurs. Avec la pochette de rangement, 31 euros, et puis il y a plusieurs couleurs différentes. Alors, je vous le dis toujours, tout de suite, je suis pas emballé du tout. Alors, autant... voilà, c'est les écouteurs, bon, ça peut être sympa de temps en temps. Autant des fois, j'en reçois des trucs qui sont pas trop cool, et ça fait partie des trucs qui sont pas trop cool. Tant pis, pour le vendeur, je vais pas raconter n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend, nanana, ils font 40 grammes, Bluetooth 5.0 seulement. Donc, ils ont une autonomie de 4 heures et 16 heures avec l'étude de rechargement. Alors, on va s'intéresser maintenant, comme d'habitude. Donc là, au début, vous avez pu entendre le son avec le son en communication. Ça vous permettra un petit aperçu de ce que ça peut donner en communication. Alors, qu'est-ce qu'on voit? 16 heures de batterie, Bluetooth 5.0, type C. Ils sont semi-intra, donc à un niveau confort et design. Honnêtement, on repassera. Hein. Donc là, c'est des écouteurs à bâtonnets. Donc le tactile se trouve là, en plus le tactile il a une seule fonction. Il y a une application qui fournit avec, je me demande à quoi elle sert, donc on peut faire les mises à jour avec, on viendra après. Bon, le tactile réagit bien, mais il n'y a que le double tap de chaque côté qui marche. Vous pouvez l'associer différemment, on verra ça tout à l'heure avec l'application. Et je trouve que niveau design et niveau ergonomie, on repassera, et c'est pas exceptionnel. Désolé, je les ai essayés, donc du coup, bah, ils sont usés. Et honnêtement, ce côté-là, il est pas très très agréable dans l'oreille. Bon, écoutez, c'est comme ça. Donc là, il y a une application. Waouh, il y a une application qui fournit avec. Ils sont IPX4. Et on supporte la voix au Google Assistant ou Siri pour Apple. Donc voilà, bon après, qu'est-ce qu'on apprend? Ils font 13 mm. Alors, ils sont utilisables séparément, donc ils ont une plus, chaque écouteur a une plus Bluetooth, vous pouvez le donner à votre partenaire et il pourra les écouter en même temps que vous. Donc, connecté à l'application, on le verra ça tout à l'heure dans IPX4. Alors, il y a une fonction un peu différente, spéciale, c'est que l'enregistrement de la voix, tu peux faire des notes avec, dans l'application. Est-ce que ça peut vous être utile ou pas? Je sais pas. Voilà. Vous pouvez en gros utiliser l'écouteur pour faire des notes. Donc ça peut. T'as un meeting, tu peux enregistrer le meeting, si tu veux. Pourquoi pas. 5.0. Bon 5.0, on a dû sur 5.2. Donc là, la latence, faudra pas s'attendre à un truc extraordinaire. Donc pour les films, ça peut aller. Mais pour le jeu, il y aura un décalage. Il n'y a pas de mode jeu, donc c'est pas extraordinaire non plus. Voilà. Donc. Je veux dire de plus. Donc la boîte est plutôt jolie.
avec un effet un peu plastique. Alors c'est pas gommé, mais c'est mat. Mais la boîte, il peut toucher en type d'œuf. Là, il y a une petite lettre de notif. Là, c'est le type C, tout simplement. Et ils sont très simples. Le contenu, donc, tu as de la lecture avec une petite notice sans le français. Et un petit câble de rechargement type C. Voilà, c'est au plus simple. Hein. Donc voilà, si je les ai pris, c'est vraiment parce que j'ai vu qu'il y avait une application et que dans. Et je me dis, j'étais un peu curieux de voir ce qu'ils pouvaient mettre dans une application de plus à ce tarif-là. Donc dans cette application, on a quoi? Vous avez pu voir déjà, j'en ai sorti qu'un et du coup, il m'en repart qu'un. Donc tu vois, la batterie. Voilà, tout simplement. Alors là, je vais ranger le deuxième. Ouais, donc ça marche plutôt correctement. Donc on va sortir les deux. Les deux, ils vont normalement se connecter. J'ai bien dit normalement. Ils sont pas connectés. Ah si, ça y est, connecting. Tac. Les deux sont connectés. Donc côté gauche, il est à 100%. Côté droit, 94. Bon, ils se sont rechargés un peu dedans. Et en fait, ben, l'application, elle est assez simple. Elle n'est pas super, super complète. Ah, j'ai du mal avec la mise au point. Bon, je finis avec le S7 là. Alors, tu vas dans Devi Sitting, tu vas des choses assez simples. Voilà. Donc, double tape. Côté gauche, ben, tu choisis ou l'assistant ou le changer de chanson ou chanson précédente ou play pause. Et tu as côté droit la même chose. C'est toi qui vois. Tu as la mise à jour. Donc j'ai eu une mise à jour. Voilà. Donc là, je suis passé en 4.0.2. Et tu as ici le fait de pouvoir faire des notes. Voilà. Hit phone record et phone record. Qui te permet tout simplement ben, de faire style que tu écoutes la musique. que tu écoutes la musique. Et en fait, tu prends des notes. C'est marrant, hein? Donc. Voilà, tu fais les agents secrets. Donc du coup, voilà, vous l'aurez compris, c'est des écouteurs qui sont pas super super, hein, qui ont un son qui manque de basse, qui sont pas très ergonomiques et confort dans les oreilles. Et c'est des écouteurs que je ne conseillerais pas. Une fois n'est pas coutume. Ça peut arriver comme ça qu'il y a des produits qui me satisfait, qui me satisfait. Voilà, t'as compris quoi ce que je voulais dire. Allez, sur ce, bah du coup, je vais arrêter la vidéo et puis on va passer à quelque chose d'autre. Allez, bisous, ciao ciao.